Salut à tous, ici Mr. Freeze. Donc, comme vous avez vu, Silent est mort, donc un énorme rebondissement, quoi. Ça, c'est le genre de truc auquel on ne s'attendait pas. Donc, suivez bien ce dialogue qui est assez important, parce qu'on vous explique pas mal de trucs. Hein. Ouais, donc le jade en fait on ne l'avait pas encore, on se l'est pris lorsqu'on a été tué en fait par le rudra des reptiles. Je vous expliquerai quelques trucs ensuite, hein. Ça m'éclate aussi. Y a pas un barapute aussi. Bon, excusez la vulgarité, mais c'est un peu con de trouver un musée dans l'au-delà. Ouais, c'est vrai en plus. Voilà. Donc Pierre Lago, c'est là les pierres qui contiennent les rudras. Donc déjà, je vais vous expliquer le premier truc. Donc rien à voir avec le jeu. Hein. Mais j'ai enfin mes nouvelles enceintes. Donc bonjour Gozal, voilà. Donc là, vous voyez que tous les reptiles finissent leur phrase par Gozal, en fait. C'est assez con. Imaginez si je faisais pareil, quoi. Donc oui, je vous expliquais que j'ai acheté des nouvelles enceintes Gozal. Et écoutez bien le prix. Alors, frais de port compris. Frais de port compris, parce que je l'achetais par internet. Hein. Et neuve, et en plus de bonne qualité, comparé à celle que j'avais avant, quoi, rien à voir. Je les ai payés, tenez-vous bien, moins de 12 euros. Je dis, bon, on va dire 12 euros, quoi. Oui, parce que j'arrondis, hein. Je n'ai pas payé 11,99, mais voilà quoi. Glaive, donc voilà. Là, je vais avoir besoin, vous verrez pourquoi plus tard, mais je vais avoir besoin du glaive. De l'effion. Donc ça m'éclate. Grégory. Déjà que j'ai un truc qui s'appelle Denis, quoi. Donc la prochaine truc, c'est un casque qui s'appelle Jean-Paul, toi. Non mais l'armure Janine, c'est un truc de barbe. Bon, j'aurais te raconter le connerie. Alors, je sais plus combien de trucs il me faut. 1310. Hop, dans toutes mes rémuaires, hein, parce que de toute façon je me soigne avec la magie, on s'en fout. Voilà. Donc il ne peut pas l'équiper, mais vous verrez pourquoi, je l'appréhende. Voilà. Donc on doit se rendre au musée, hein, comme nous l'a dit Kulgan. Et donc oui, je devais vous expliquer des trucs, je vais le faire maintenant. Hein. Donc là on ne peut pas rencontrer l'ennemi vu que on est mort, donc il n'y a pas de combat. Alors je vais en profiter pour vous expliquer un peu les rudras. Donc les rudras c'est des espèces de dieux, enfin c'est pas vraiment des dieux. Mais enfin des créatures on va dire. Bon et puis des dieux, faites pas chier. Donc oui c'est des dieux qui créent une race en fait en supprimant une autre. Donc vous l'avez vu au début dans l'intro, hein, il y a eu 4 races, reptiles, sirènes je crois, géants et je sais plus quoi, qui ont été créés puis ont disparu et ensuite ont été créés les humains quoi. Et donc à chaque fois une race a été créée grâce à un rudra quoi. Un rudra qui supprime une race. Et on fait apparaître une nouvelle. Donc là, en l'occurrence, on a été tué par le rudra des reptiles, qui donc était censé ne plus exister, puisque les reptiles ne sont plus censés exister.
Voilà, mais le Red Dragon Reptile s'est réveillé. Donc je vais vous laisser devant un petit dialogue. Voilà. Donc grâce au jade qu'on a obtenu, en fait, on a le jade de la résurrection, si vous voulez. Enfin, j'appelle ça comme ça, mais... Et donc, il permet de ressusciter toutes sortes de choses, vous allez voir. Voilà, Uzen, le Rudra des humains. Donc, il connaît donc tous les humains, c'est lui qui a créé les humains. Voilà, qui. Alors, c'est vraiment les autres races. Donc, les dialogues ne lag pas, c'est moi qui. En fait, quand on appuie, ça accélère le dialogue. Et comme j'appuie comme de la merde, on voit que ça lag. Voilà, je sais pas si vous trouvez que mes enceintes ont une meilleure qualité qu'avant, mais moi je la ressens en tout cas la qualité. Hein. Et je fais pas semblant, hein, je la ressens vraiment une grosse différence de qualité. Bon. Après ça se voit moins de votre côté vu que bon, enregistré par une webcam déjà c'est pas terrible. Voilà. Donc là, je sais pas si vous avez lu, ils nous ont dit de retourner vers l'épée. Donc voilà, dans ce musée on peut voir toutes sortes d'armes, d'armures, etc. Qui voilà, des répliques, hein, donc. Ça, je sais pas si c'est un sort pour créer la. pour augmenter la vitesse, si ça marche sur un en sort ou quoi. Enfin, voilà, donc différents objets, mais on s'en fout en fait du musée. Hein. Là, vous voyez qu'on ne peut pas. Si j'appuie sur A, on ne peut rien faire. Donc, on ne peut pas observer ce truc. Voilà, c'est la fin du musée. Ça fera 24,50. C'est drôle, putain. Voilà, donc on retourne vers l'épée maintenant. L'épée de la calamité. Quand même, vous remarquerez qu'ils sont vraiment sympas, hein. C'est bizarre, ils veulent tous nous ressusciter. Vous allez voir que, bien sûr, ça cache un truc. Voilà, dès qu'on touche, l'épée avec le jade se retrouve enfermée dans l'épée. Donc là, c'est une vidéo dialogue, hein. Vous ne verrez que des dialogues. Mais c'est important pour l'histoire, donc suivez bien, quoi. Et puis, il y a toujours ces magnifiques musiques. En plein musique bien mystique. Enfin, franchement, c'est pour moi c'est l'OST parfaite quoi. Pas parfaite dans le sens où toutes les musiques sont vraiment incroyables, truc de taré, etc. Ce que je veux dire parfaite, c'est qu'il n'y a aucune mauvaise musique dans cet OST quoi. Voilà, donc Kulgen nous avait amené là en fait. Nous a trahi pour pouvoir ressusciter quoi. Voilà, donc 4 jades. Donc celui de Sion, celui de Risa, celui de Salant, et le quatrième, vous savez qui le. Enfin, vous savez qui l'a ou qui l'aura. Enfin, vous ne le savez pas, mais vous l'avez déjà vu, celui qui l'a. Mais je vais pas encore vous dire qui c'est. Parce qu'en fait, je vous l'avais déjà dit, il y a un quatrième scénario dans le jeu, qui est beaucoup plus court que les autres d'ailleurs. C'est le scénario d'un certain perso que vous avez déjà vu. Mais je vous le cache exprès en fait.
Donc Gomar, en fait, c'est le maître de l'évolution, donc celui qui s'occupe de l'évolution des races, etc. On ne verra pas tout de suite. Donc voilà, c'est la résurrection du Rudra des humains dans le monde des humains, donc. Ou de vous dire, on s'en fout, de toute façon, il apporte la prospérité aux humains, donc voilà, tant mieux, il fout des boîtes de pizza et tout, n'importe quoi. Donc, mais en fait, non. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est grave que le Rudra des humains revienne dans le monde des humains. Ils reviennent. Et Kulgan va. Parce que bon, là c'est juste une âme Kulgan du coup. Donc il lui faut un corps, il va prendre le nôtre. Le corps de Savant. Et il pose l'épée avec l'âme de Savant. Enfin l'âme, ouais. L'âme de Savant dans le. Dans le sol. Donc voilà. Donc ça, ce n'est pas Salent, c'est donc Kulgan avec le cœur de Salent. Hein. Voilà, on verra pas la suite pour l'instant. On va retrouver Salent, qui est toujours enfermé dans le monde des morts. Donc voilà, un nouveau jour se lève. Donc voilà, le cinquième jour est passé déjà. Hein. Vous avez vu, c'était assez rapide. Et parce que je vous rappelle 15 jours avant la destruction du monde. Je crois qu'on l'a vu au début du jeu. Et on retrouve justement Gomar, le gardien de l'évolution. Donc c'est donc il nous apprend que c'est le jet de la résurrection. Donc c'est grâce à lui qu'on peut citer. Donc déjà le rôle de Uzen, vous devez savoir qu'il est déjà accompli puisque son rôle c'était de créer la race humaine et voilà de la faire prospérer, ce qui est déjà le cas. Normalement, c'est pour ça qu'ils sont enfermés dans les pierres lago car ils ne servent plus à rien, quoi, les Rudras. Sauf que là, c'est le bordel, ils sont tous libérés. Voilà, pas logique, mais c'est comme ça. Il nous donne donc un corps pour qu'on puisse retourner dans le monde des humains. Donc à gauche un guerrier, à droite un. Bah attends, il va vous le dire. Donc la logique voudrait que, vu que Salent est un sorcier, on prenne le corps du sorcier, mais on va en fait prendre le corps du guerrier. Je vous explique pas pourquoi, mais vous. Au moment. Lorsque le moment sera venu, je vous dirai pourquoi. Voilà, bon, ça on s'en fout un peu. Alors là, il nous dit juste qu'on peut retourner à la surface. Et voilà. Donc voilà, maintenant le corps du guerrier, ça c'est un corps d'un mage, d'un sorcier mort, comme vous voyez. Parce que forcément, tous les corps là, c'est des corps d'hommes morts. Et ce sorcier, en fait, on le voit dans le scénario de Sion, si je ne me trompe pas. À fond, mais bon. Et c'est pour ça que j'ai pris une épée, parce que je passe de mon attaque de 28 à 70. Ah merde, c'est une épée à deux mains, fais chier. Tant pis. Voilà. Bon, j'aurai pas de bouclier, hein, tant pis. Parce que j'ai déjà fait la vidéo, mais je me suis un peu fait latter vu que
J'avais pas d'armes. Donc si vous avez pris le corps de sorcier, c'est pas la peine. Vous avez déjà l'arme de Salant. Voilà. On doit maintenant rejoindre la surface. Bon, maintenant on a à nouveau des combats vu qu'on a un corps. Voilà. On parle du loup. Franchement là je suis trop fier de mes enceintes quoi. Est-ce que vous imaginez 12 euros, enfin pas 12 mais voilà. Presque. Frais de port compris, donc sans les frais de port je l'ai payé à peu près 8 euros je crois. Ouais, 8 euros les enceintes, 9. Voilà quoi. Et en comparaison des autres quoi, comme quoi on peut avoir des enceintes pas chères. Hein. Et puis elles sont vraiment, enfin elles sont bonnes quoi, c'est du Dell, bonne qualité quoi. Donc oui, je dis 12 euros parce que bon, c'est à peu près quoi. C'est comme quand on achète un jeu de DS par exemple. Bon, je dis DS, mais j'ai rien contre Nintendo, hein, c'est pareil pour tout le monde. Lorsqu'on a un jeu de DS, tu vois, c'est le truc 39,99 quoi. ça m'éclate. Au lieu de foutre 40 euros, tu vois. Au cas où il y en a qui se diraient, ah bah ça va, c'est encore dans la trentaine. Enfin, c'est vrai, c'est vachement utile, on économise un centime. Au bout de 100 jeux achetés, on peut acheter un Malabar, tu vois. Non, 10 Malabar. On s'en fout, le Malabar, ça. Et voilà. Donc, ça ne nous reconnaît pas, hein, je vous dis, on est revenu dans la montagne de Fetor, là, grâce au Warp. Mais il ne nous reconnaît pas. Puisque nous n'avons pas le même corps qu'avant. On va attendre tout le temps le gros bordel du feu là qui gicle. Ouais, donc ça est toujours aussi violent hein. Et assez méfiant. Vidéo bah, assez intéressante niveau histoire, pas très intéressante au niveau de mes commentaires. Hein. M'en excuse. Donc, je vais faire la suivante juste après. Voilà. Donc, pour l'instant, tout ce qu'il faut se rappeler hein, de cette vidéo, c'est que le Rudra des humains est revenu et compte détruire la race humaine. Et que on doit l'arrêter pour récupérer notre corps. Et bon, sauver le monde, mais ça on s'en fout, hein, c'est pour récupérer notre corps. Voilà. On doit retrouver les gens et Lolo. Ils sont nos anciens compagnons hein, avant qu'on soit mort. Voilà. Donc Sok revient. Ouais. Denis, Jean-Paul et Marc. Bon bah c'est bon. Bon bah voilà, on se retrouve à la prochaine pour une vidéo un petit peu plus palpitante. Putain, le jour où j'arriverai à parler. Donc ouais, je ferai les requêtes que vous m'avez dites au niveau des essences de mots. Hein. Donc on se quitte, sinon ça va faire plus de 20 minutes. Donc à la prochaine. Allez, salut.